La liste de départ, Muriel, du 800 mètres. On va repartir sur l'anneau, sur cette piste de 200 mètres et 40 centimètres. Oui, elle n'est pas conforme. Oh là là, ça nous a tout chamboulé parce que les calculs sont compliqués maintenant. Non, je plaisante, mais il y aura 4 tours à faire sur ce 800 mètres. Avec un duel a priori entre la Marocaine Malika Akawi et l'Ukrainienne Natalia Loupou. Voilà. On va découvrir les athlètes de ce 800 mètres. Voici Loupou, l'Ukrainienne qui a couru quasiment à 2 minutes. Hein, 2 minutes et 36 centièmes, c'était il y a 10 jours en Pologne. L'ancienne vice-championne du monde indoor sur cette distance et qui a l'habitude de disputer des finales mondial, que ce soit d'ailleurs mondial ou olympique, Natalia Loupou avec son dossard 154. De l'Ukraine, Natalia Loupou. Et la voici, Natalia Loupou, on l'évoquait tout à l'heure. Elle est la troisième performeuse mondiale de l'hiver, hein. À 2 dixièmes simplement de la Polonaise Josvik. Pourquoi pas Natalia Loupou aller chercher un gros chrono. Venant de l'Éthiopie, bien évidemment, sur une course de demi-fond, il nous faut les ressortissants africains. Et on suivra également sur cette course, au-delà de Loupou, on suivra Malika Akawi qui est à l'intérieur par rapport à l'Ukrainienne. Et la Marocaine Akawi qui est de la République tchèque. Au départ, le 800 mètres. Plutôt une coureuse de 1500, mais évidemment 800-1500, il y a de nombreuses passerelles. Et un œil aussi sur Camille Laplace, la Française au couloir numéro 2, Camille Laplace, pour aller évidemment pas les semer là à la victoire, mais profiter de l'inspiration de ces grandes athlètes. Quelque chose, c'est sans doute la fille de Jarmila, la record woman du monde de la spécialité en 1,53 et quelques 29 centièmes. Et la lièvre, Muriel, s'appelle Kratochvilova. Kratochvilova, c'est sûrement un nom qui vous parle. C'est le nom de la record woman du monde sur cette distance, 800 mètres. On n'a pas trouvé l'info, mais a priori, c'est sa fille. Elle s'appelle Alzbeta. On n'a pas trouvé vraiment l'info. On n'a pas réussi à lui demander. La fille de Jarmila Kratochvilova, ça serait quand même une sacrée coïncidence que deux filles qui ont le même nom et qui n'ont aucun lien de parenté soient sur la même distance. Et justement, qui prend les avant-postes, qui prend les deux. Mais là, c'est l'Éthiopienne qui a pris la tête. C'est Assefa, Tigist Assefa. Le deuxième tour qui passe devant vous. Et elle est loin devant tout le monde, la petite Assefa, avec son dossard 156. Mademoiselle Assefa qui emmène. Derrière, c'est Noélie Yarigo, la béninoise, qui essaye de revenir. Loupou a l'air un peu dans le dur en quatrième position. Derrière Akawi, la Marocaine. Qui va attaquer celle qui détient le record du meeting actuellement. Elle reste un tour et demi. Attention, est-ce qu'Assefa n'est pas partie trop tôt? C'est Akawi qui ramène tout le monde, Muriel. Qui emmène le retour de Mademoiselle Loupou, de Madame Loupou. Attention, les trois. Assefa en première position. Akawi en deuxième. Et Loupou qui finalement n'est pas si loin. Loupou, elle s'est peut-être cachée. Voilà. Et là, elles vont commencer à faire leur accélération. Et la cloche, c'est elle qui passe. Elle a un petit peu joué des coudes. L'Ukrainienne. Mais elle a réussi à passer. C'est l'essentiel pour elle. Et derrière, il va falloir venir la chercher parce qu'a priori, elle a un meilleur finish que tout le monde. Même si Akawi n'est pas si loin. Ça va être un beau duel entre Loupou et Akawi. L'année dernière, attention Malika. Oh, le virage, il est compliqué pour l'Ukrainienne. La dernière ligne droite, est-ce qu'elle va résister à la Marocaine? Loupou Akawi, ça va tenir, oui. Elle tient, oui. Et ça passe. On a l'impression qu'elle empêche de passer. Hein. On verra ça au ralenti. C'est vrai qu'il y a eu une obstruction, comme on dirait au foot. Oh, tu vas pas passer. Mais le chrono est bon. Sous les 2 minutes 01, on le disait, la meilleure performance mondiale de l'année, elle est à 2-0-0-12. Elle en est pas si loin. L'Ukrainienne qui a joué tactique, elle a bien couru et elle a aussi su jouer des coudes et des bras. La voici, regardez la poussette, le bras droit de Natalia Loupou. Non, tu ne passes pas. C'est quand même limite. Pas sûr que ça gêne vraiment Akawi, mais quand même. On le revoit plus serré, c'est assez rare de voir ça. On voit des athlètes Noël qui jouent des coudes, mais écartent les bras. Qui ont des réflexes, ils ont tellement envie de franchir cette ligne en tête que du coup des fois il y a des gestes qui sont pas très très sympas, mais des fois il le regrette par la suite. Et ça a marché, l'essentiel pour elle c'est que ça a marché. Elle s'est imposée pour un petit dixième devant Malika Akawi. Camille Laplace courant 2 5 82,
renversé son record personnel. Elle l'avait déjà amélioré à Aubonne. Elle enlève une seconde qui a mis la place à son record. La partenaire d'entraînement de Renelle Lamotte et de Paul Renaudy.